Le plaisir, c'est une dimension essentielle de l'alimentation. Le plaisir, ce sont les goûts, les saveurs, des saveurs dont on entend dire souvent qu'elles ne valent pas celles d'autrefois, qu'elles ont disparu. Et c'est vrai que les fruits, par exemple, manquent souvent de goût. Pourquoi ? Comment les industriels s'y prennent-ils pour fabriquer quand même des yaourts au beau goût de fraises et de myrtilles ? Découvrez les magiciens du goût. Ici, on recherche la perfection du goût. Nous sommes dans l'un des restaurants 3 étoiles les plus célèbres de Paris. Il est 7h. Depuis 13 ans, en cuisine, l'agitation commence au petit matin. Le premier chef commence toujours par le tri des aliments. Il est le seul à avoir la charge de cette mission essentielle. Il se doit d'être intransigeant et vous allez le voir, même pour lui, pas facile d'être bien servi tous les jours. Premier arrivage, les fraises. Bon, à première vue, elle manque un petit peu de... De maturité, les fraises. Et donc elle manque de sucre. Alors, donc, est-ce que c'est là le vent ? Non, on va tout renvoyer, ça. Donc là, les fraises, on va les mettre de côté, on va les retourner. Elles manquent de sucre, elles sont pas assez... 8h30, c'est le tour des rognons. L'aspect est très important. On goûte aussi avec les yeux. Dans l'assiette, un rognon trop rouge risque de déplaire aux clients. On prend des rognons bien en graisse, ou soit des rognons de veau de lait, donc on regarde la couleur. Donc ceux-là, ça va. Pourtant, celui-là était bien blanc. Celui-là est un peu rouge, donc celui-là, on va le retourner. 11h, le livreur de fraises fait une deuxième tentative. Vous le dites, vous appelez, vous dites, on ne vous met pas les fraises, on vous mettra au deux. Chaque jour, 10 à 20% des produits retournent ainsi à l'expéditeur. Là, elles sont bonnes, par rapport à ça. Vous voyez, à l'œil. Regardez la différence. D'accord ? Bon. Exigeants, les consommateurs le sont aussi et de plus en plus. Ils sont unanimes, aujourd'hui, ils veulent du goût. Les gens veulent de la qualité. Avant, on était de la merde. Moi, j'ai travaillé dans les tôles qui vendaient que de la merde. Maintenant, c'est fini. Les gens veulent plus de merde. Les gens préfèrent payer plus cher, en acheter moins. La saveur des aliments a beaucoup d'importance. Quand j'achète des produits de bonne qualité, parce que j'espère y trouver justement un goût que les produits sous vide n'ont pas. Et puis voilà. Cette dame se trompe. Ce n'est pas l'emballage plastique qui tue le goût des fruits et légumes, mais la conservation. Prenons l'exemple le plus flagrant, celui des pommes que vous trouvez dans votre supermarché. Elles sont récoltées trop tôt, lavées à l'eau chaude, puis mises en chambre froide 2 voire 3 mois avant de rejoindre les étals. Elles brillent, mais elles ont perdu leur saveur initiale. Faites l'expérience, quand on vient juste de la cueillir, elle n'a pas du tout le même goût. Mais rien qu'au bruit du couteau, elle n'est pas tout à fait mûre, mais il y a ses odeurs. Vous avez les odeurs de beurre et de noisettes. Puis de rainette, évidemment. La reine de rainette. Mais en bouche, elle doit être encore un petit peu... Pas trop mûre. Elle craque. Ça, c'est vraiment la pomme du petit déjeuner. Il faut la manger avec la peau. Jacques Puiset, grand spécialiste du goût, se bat pour que nous retrouvions les vraies saveurs. Ces produits, au goût incomparable, on peut les cueillir ici, à la ferme de Galy, à côté de Versailles. Dans cet immense jardin biologique, on vient récolter soi-même ces fruits et légumes. Première certitude, ils sont cultivés sans engrais ni pesticides. Donc voyez-vous, une carotte arrachée, fraîche, avec encore toute sa terre dessus, c'est la garantie de la vitamine. Et si les gens viennent ici... se donnent du mal, parce qu'ils se donnent du plaisir, mais ils se donnent du mal aussi pour arracher des carottes. C'est parce que quand ils rentrent chez eux, ils ramènent avec eux les vitamines et un produit qui a vraiment un goût différent de tout ce qu'on peut trouver sur un étalage, puisqu'elles ont été arrachées à la main, elles n'ont pas été lavées et elles sont fraîches. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment zéro heure de cueillette là. Donc forcément, c'est ça qui fait la différence de goût, ce qui fait qu'elles sont bonnes, nos carottes. On l'a compris, c'est la conservation qui tue la saveur des aliments. Mais les chercheurs ont trouvé la parade en ajoutant des arômes. Aujourd'hui, rares sont les produits qui n'en contiennent pas. Prenons le yaourt à la myrtille, celui que vous mangez chez vous en a effectivement le goût. Mais regardez bien ces fruits, ils arrivent directement congelés du Canada. Après ce traitement, ces myrtilles n'ont plus aucun goût.
tous les fruits qui arrivent chez nous, soit sous forme pasteurisée, soit sous forme congelée, ont d'ores et déjà perdu un petit peu de leur goût et de leur goût naturel. Et par ailleurs, comme nous allons les traiter industriellement et que nous allons leur appliquer une cuisson pour les pasteuriser, pour les rendre propres à l'usage par nos clients industriels, ils vont continuer à perdre l'essentiel de leur goût. Ce qui fait que si nous ne renforcions pas les préparations de fruits avec des arômes, nous aurions des produits finis qui auraient des goûts tout à fait neutres ou tout à fait banaux. Et donc, notre métier d'aromaticien, c'est aussi de créer des arômes qui vont recréer le goût naturel du fruit frais tel que vous pourriez le déguster en le cueillant sur l'arbre. Aujourd'hui, faire un yaourt relève plus que jamais de la biochimie. Ici, la salle de composition aromatique. Dans ces fûts, 3000 extraits que les nez peuvent marier à l'infini pour recréer le goût attendu par le consommateur. Boisson, cassoulet, crème à la vanille, on ajoute des arômes dans tous les produits. La vanille est un exemple intéressant parce qu'on peut créer des centaines de vanilles différentes suivant le type de produit, y compris sur des fruits très simples ou très connus, très habituels comme la fraise. Vous allez trouver des variations quasiment infinies sur la fraise. Et de manière un petit peu anecdotique, dans les fruits et dans les yaourts aux fruits, il y a des différences très nettes d'un pays à l'autre sur les préférences des consommateurs. C'est-à-dire qu'un consommateur espagnol, en général, va attendre une fraise plus verte, plus proche d'une fraise directement cueillie du champ. Un consommateur français va attendre une fraise déjà un petit peu plus mûre et en général avec plus de bouquets. Et puis, on pourrait varier ça à l'infini selon les pays d'Europe. Justement, à l'étage du dessus, les magiciens du goût recréent chaque jour les saveurs de la nature. Un travail qui ressemble beaucoup à celui des parfumeurs, mais qui s'appuie en plus sur des appareils sophistiqués, de véritables nez artificiels, capables même de faire la différence entre les odeurs émises par une plante la nuit et le jour. Au final, ces artistes sont parvenus à recréer en laboratoire l'odeur exacte d'une feuille de menthe fraîchement écrasée. Vous la retrouverez dans vos sirops, tisanes ou glaces. Retour à l'usine pour la dernière étape, le mélange des arômes et des fruits. Dans cette énorme cocotte minute, les normes de stérilité sont les mêmes que celles exigées par l'industrie pharmaceutique. Le fruit pasteurisé va retrouver son goût d'origine grâce à l'arôme contenu dans ce bidon. Trois étapes, décongélation, stérilisation, plus quelques gouttes de saveur. Voilà comment sont faits les petits pots pommes-bananes. Les yeux fermés, on retrouve bien le goût des compotes de nos grand-mères. Les petits plats de nos grand-mères font référence dans nos mémoires. Alors, grand-mère et scientifique du goût, même combat. Les industriels s'efforcent donc de nous mijoter des plats dont le goût correspond à nos attentes. Mais l'ajout d'additifs suffit-il à recomposer les recettes au goût si cher à nos palais? Regardez. Tous les produits agroalimentaires ne sont pas condamnés aux arômes artificiels. À l'INRA de Plaisir-Grignon, en région parisienne, on fait le pari de redonner du goût au camembert industriel sans ajouter d'arômes artificiels. Ce qui intéresse les grandes entreprises, c'est essentiellement deux choses. Avoir des produits ayant plus de caractère et d'autre part, les obtenir en des temps plus courts que ceux qu'ils utilisent actuellement pour faire leur fromage. Aujourd'hui, les consommateurs veulent ce produit. Les industriels savent faire celui-là. Reste donc aux scientifiques à découvrir les bactéries standardisées qui transformeront demain le fromage plâtreux en camembert terroir. Car ne l'oublions pas, ce qui fait le goût du camembert traditionnel, ce sont les bactéries, la flore sauvage qui dégrade le lait cru. Le rêve serait de pouvoir obtenir industriellement avec du lait pasteurisé ce que vous voyez ici, dans cette fabrique artisanale de camembert au lait cru. Pour l'instant, les petits producteurs de fromage sont sereins, ils ne seront pas détrônés de sitôt par la grande industrie. On en vient au même problème, c'est que dans le pasteurisé, dans le camembert pasteurisé, du fait que l'on a chauffé le lait, que l'on a détruit toute la flore sauvage du lait, on réintroduit une flore cultivée, donc on standardise les goûts, quoi. Alors qu'à chaque fois que l'on déguste un camembert au lait cru, c'est une découverte, hein. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, continue de chercher les bactéries qui donneront le goût terroir. Pour cela, il teste les prototypes des camemberts de demain. Mais comment évaluer scientifiquement la saveur du fromage? Seule solution aujourd'hui, l'analyse sensorielle effectuée par des goûteurs, car aucun appareil ne peut remplacer le nez et la bouche. On retrouve donc une fois encore des testeurs isolés dans des cabines au décor neutre, car rien ne doit les perturber. Devant eux, un questionnaire très précis. À partir de ces critères soigneusement sélectionnés, la fiche sensorielle sera établie. Le point de vue ail et foin, je n'ai détecté aucune odeur. L'étable, ce n'est pas une odeur caractéristique de cet échantillon non plus.
Par contre, une assez forte odeur ammoniaquée. Aucune chance que ce camembert ammoniaqué finisse sur la table d'un grand restaurant. Retour pourtant chez Lucas Carton, où l'on mène aussi des recherches poussées sur les nouveaux goûts. Mais ici, les tests sont un peu différents. Le beurre, c'est quoi ? Beurre ciboulette. Comme ciboulette ? Oui. Mixé ? Oui. Trop mixé. On l'a fait comme la dernière fois. Madame Sandrins, premier critique de son mari. Pour elle, trop d'acidité dans la ciboulette, le chef peut retourner en cuisine. Les recettes sont testées en moyenne une vingtaine de fois. Celle-ci ne sera peut-être jamais sur la carte. Mais avant de partir, Alain Sandrins veut nous éviter le comble du mauvais goût. En France, on a toujours dit que le vin rouge était l'ami du fromage. Or, et ça je veux que vous le vérifiez personnellement, que c'est la plus grande hérésie. Les tanins du vin rouge ne peuvent pas se marier avec les gras de fromage. C'est pas seulement que l'accord soit désagréable, c'est que ça devient mauvais en bouche. Et je vais vous prendre comme exemple du Roquefort et un vin rouge. Mais l'accord devient mauvais. Je ne comprends pas que des gens aient pu aimer cela. Je suis choqué. Choqué, plus personne ne le sera demain, même si nous sommes condamnés aux arômes de synthèse, les industriels, les agriculteurs biologiques et les chercheurs nous le promettent. Fini les aliments sans goût, de la carotte au camembert, les goûts reviennent, naturels ou artificiels. Les industriels ont encore du pain sur la planche. On va rester dans le domaine de l'alimentation high-tech avec un produit qui symbolise à lui tout seul la nourriture industrielle. Il s'agit du poisson pané, du poisson carré, comme l'appellent les enfants. D'où vient-il ? Comment le fabrique-t-on ? Nous sommes remontés à la source, c'est-à-dire en mer, pour vous l'expliquer. Ce chalutier français, le Klondike, a quitté Boulogne-sur-Mer il y a 17 jours. Aujourd'hui, au large de la Norvège, ce bateau-usine ultra-perfectionné cherche de nouveaux bancs de poissons. Pour les repérer, il dispose de radars très performants qui déterminent avec précision la profondeur à laquelle évolue chaque espèce, leur taille et leur nombre. Le capitaine entame sa 11e campagne de pêche. Nous avons l'expérience en premier et puis les informations des autres chalutiers. Et nous avons également les sondeurs qui nous permettent de repérer les poissons. Les sondeurs viennent de confirmer la présence d'un banc de merlus. La pêche commence. Le chalut est jeté à l'eau. La mer est forte, le bateau doit manœuvrer avec précision pour ne pas rater le poisson. Nous traînons le chalut à environ 4 nœuds, ce qui fait grosso modo 7 km et demi pour justement chercher à rattraper le poisson et à traîner notre chalut sur le fond pour attraper le poisson qui va se présenter devant le chalut. L'opération est répétée 5 fois par jour. À chaque coup de filet, ce sont 4 tonnes de poissons en moyenne qui sont capturées. Le Klondike est un bateau-usine. À peine sorti de l'eau, les poissons sont envoyés sur des chaînes de conditionnement et orientés sur les lignes par espèce et par taille. Ces cabillauds et ces merlus, les espèces les plus utilisées pour fabriquer du poisson pané, vont être transformés en filets en quelques minutes. Ici, il y a un premier tri qui se fait en continu, où nous avons des machines à vider le poisson et téter le poisson avant d'être stocké dans des bacs de lavage. Et ensuite, les poissons sont orientés sur les différentes lignes de filetage que possède le bateau. Le filetage, c'est la technique qui consiste à transformer le poisson en filet. Tête, peau, arête, les machines enlèvent tout automatiquement. Sur le bateau, l'usine fonctionne 24 heures sur 24 et traite chaque jour près de 20 tonnes de matières premières. 20 tonnes brutes, c'est au final 7 tonnes de filet. En bout de chaîne, reste la chair du poisson. Ainsi préparée, les filets, une seule espèce par bloc, sont mis en boîte avant d'être surgelés à moins 20 degrés. Le travail à bord est identique à ce que peuvent faire les usines à terre. Mais ici, le poisson est surgelé en mer et donc est d'une qualité de fraîcheur quand même supérieure à ce qui peut être fileté et surgelé à terre. Entre le coup de chalut, l'arrivée du poisson sur le bateau et l'entrée dans les fours de surgélation, Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Les plaques de poisson pèsent obligatoirement 7,5 kg. C'est une norme standard. À terre, les usines retransformeront ensuite ces blocs à leur guise. Chaque campagne de pêche du Klondike dure environ 45 jours. Au total, 220 tonnes de poissons sont préparées durant cette période. Le déchargement dure 2 jours.
Aucun risque de décongélation, chaque carton est débarqué en moins d'une demi-heure. Direction, entre autres, l'usine de fabrication de poissons panés à Fécamp. Cette usine transforme chaque jour 3100 tonnes de poissons en 82 millions de portions panées de 50 grammes. Avant transformation, la première opération consiste à vérifier si la chaîne du froid a bien été respectée jusqu'ici. La température doit toujours être maintenue entre moins 15 et moins 18 degrés afin d'éviter la prolifération bactérienne. Poids, calibre, longueur, largeur, épaisseur, les dimensions des plaques doivent être conformes aux dimensions des chaînes de transformation du poisson. Il faut qu'on ait une matière première qui soit impeccable, c'est-à-dire au niveau de la longueur de la plaque, de la largeur et de l'épaisseur. Il faut bien savoir que si on a des plaques sur des lignes automatiques qui sont mal formées, on ne peut pas faire le process qu'on voudrait faire. Dernier contrôle, la quantité d'arêtes cachées à l'intérieur des blocs. Plusieurs échantillons sont radiographiés au hasard. L'usine se plie au cahier des charges défini par ses clients qui veulent du poisson sans arêtes. Sur la base des clichés, nous décidons si le lot est conforme ou pas. Donc là, en l'occurrence, il ne l'était pas, puisqu'on voit apparaître donc, les arêtes. Et en cas d'arrêt de ce type-là, il est clair qu'il est refusé également. Disons que pour le sans-arrête, on accepte une arête au kilo. Comme le prouve cette radio, le poisson pêché par le Klondike ne recèle aucune arête. Il est bon pour la transformation. Première étape, le sillage. Les blocs parfaitement calibrés sont découpés au millimètre près. Sur cette ligne, du cabillaud, mais cela pourrait être du colin ou du merlu pêché par le Klondike, des espèces encore courantes en pleine mer et qui sont aujourd'hui transformées en quantité industrielle. Après le sillage, la deuxième étape, c'est le déglaçage. Le poisson pénètre dans un tunnel de vapeur, la portion est alors légèrement réchauffée en surface. Le cœur du produit n'est pas touché, aucun risque de rupture de la chaîne du froid. Le poisson est ensuite recouvert d'une sauce, un nappage d'eau et de farine, qui permet d'accrocher plus facilement la chapelure sur les portions. La chapelure, c'est un mélange de pain broyé avec de la farine, de la levure, de l'amidon et des épices. La proportion poisson-panelure est toujours la même, 70% de chair, 30% d'enrobage. Une fois pané, le poisson part dans un surgélateur à moins 35 degrés pour retrouver sa température initiale. Dernière étape, l'emballage. Entre son entrée sur la chaîne de production et sa mise en boîte, le poisson aura passé moins de 20 minutes sur les tapis. Une rapidité d'exécution qui garantit le respect de la chaîne du froid. Avant d'atterrir dans l'assiette du consommateur, le produit fini subit un dernier test. Le poisson est cuisiné comme à la maison, mais c'est une professionnelle qui est au fourneau. Je cuis pendant 6 minutes environ. Il ne faut jamais décongeler le produit avant. Un produit pané ne doit pas être décongelé avant la cuisson. Sinon, la chapelure ne se tient pas et le produit n'est pas bon. Ce test sert également à vérifier l'adhérence, l'uniformité et le croustillant de la chapelure. Le goût aussi est noté. Difficile de faire la différence entre du cabillaud et du colin. Pour le consommateur, l'essentiel, c'est la couleur blanche de la chair. Le goût des consommateurs pour les poissons à chair blanche, merlu, colin, cabillaud, entraîne la surpêche de ces espèces et menace l'équilibre naturel. Chaque année, les Français consomment 50 000 tonnes de poissons panés. Ça, c'est un point très important. De nos jours, aucune espèce de poisson n'est à l'abri de la surpêche. Il n'y a pas beaucoup d'espèces de poissons à chair vraiment blanche pour faire ce poisson carré. Il faudrait inciter les consommateurs à accepter de manger des poissons à chair colorée pour varier les prises. Les alicaments sont à la mode. Ces produits, dont le nom est une contraction d'aliments et de médicaments, sont censés avoir des actions bénéfiques sur notre santé. C'est du moins ce qu'avancent leurs fabricants. Mais ces actions sont-elles réelles et prouvées ? Comme toujours, Hugues et M6 est allé consulter les spécialistes. Voici la vérité sur les alicaments. Alicaments, le concept est né en 1980 au Japon, un pays où la distinction entre aliments et médicaments est bien moins nette qu'en Europe. Il était donc logique que l'on invente là-bas ces nouveaux aliments censés nous nourrir et en même temps nous soigner. Aujourd'hui, les alicaments se sont répandus dans le monde entier. Rien qu'en France, ils s'en vendent chaque année pour 20 milliards de francs. C'est au rayon crèmerie que l'on en trouve le plus. Et si l'on en croit ce qui est écrit sur les emballages, pas de doute, ces produits ont vraiment des vertus hors du commun. On trouve ainsi des yaourts pour enfants enrichis en calcium pour, est-il écrit, mieux grandir. Pour nous aider à bien commencer la journée, des yaourts en bouteille aux ferments lactiques spécialement étudiés. De la margarine au oméga-3, qui affirme l'emballage, aide à lutter contre l'excès de cholestérol. Ou encore des yaourts 0% enrichis en oligo-éléments, en fer et en zinc qui participent à la stimulation des défenses immunitaires. Des cornflakes qui fortifient votre corps jour après jour.
et du sucre enrichi en bifidofibres pour favoriser le transit intestinal. Tous ces produits jouent la carte de la santé, avec un discours qui sous-entend habilement qu'ils ont des vertus que les aliments classiques n'ont pas. Mais ces vertus sont-elles scientifiquement prouvées ? Attention, il faut d'abord décoder ce que nous disent vraiment les emballages. Alors, ce qu'on peut trouver sur des produits alimentaires, ben, en voilà un exemple, sont des formules extrêmement générales. Aide naturellement votre corps chaque jour à mieux résister. Ça ne fait pas référence à une maladie, ça fait référence à la bonne santé en général, mais ça reste tellement générique que ça n'est pas considéré, par les autorités responsables de la réglementation, comme une allégation de santé. En revanche, pour cette margarine qui communique sur l'excès de cholestérol grâce aux acides gras oméga-3, c'est une tromperie pour le consommateur parce que ces acides gras oméga-3 n'ont aucun effet sur le cholestérol chez l'homme. Aucun effet démontré chez l'homme et ce produit n'est pas le seul dans ce cas. Pourtant, avant de mettre en vente un aliment arguant d'effet sur la santé, les industriels doivent déposer auprès des autorités un dossier scientifique démontrant, études à l'appui, la réalité de ses bienfaits. Mais ces dossiers sont souvent bien minces. Démonstration avec ces produits laitiers enrichis en bactéries lactiques fabriquées par plusieurs industriels. Mais tout d'abord, petit résumé de microbiologie. Il y a dans notre corps plus de bactéries que de cellules. On appelle cela la flore intestinale. Ces bactéries nous protègent car elles éliminent les bactéries nocives que nous avalons régulièrement. Les bactéries lactiques rajoutées dans ces petits yaourts sont tout simplement des bactéries similaires à celles qui vivent dans notre intestin. Chaque petite bouteille en contient 6,5 milliards. Pour les fabricants, elles viennent renforcer notre flore intestinale lorsque celle-ci est en mauvais état. En cas normal, la flore intestinale est dans un équilibre. Mais il y a des conditions comme par exemple le stress ou les prises d'antibiotiques qui peuvent perturber cette flore en équilibre. Et donc, dans ces cas-là, les bactéries lactiques peuvent aider à rétablir cet équilibre puisqu'ils vont réduire la partie de la flore intestinale qui est plutôt nocive. Les bactéries lactiques rééquilibrent la flore intestinale. Pour les chercheurs de l'INRA, cette affirmation est sans fondement. Il n'y a pas d'étude qui montre clairement chez l'homme que ce type de produit équilibre la microflore intestinale. D'ailleurs, c'est assez cohérent parce que ce type de produit, quel qu'il soit, représente moins d'un gramme de bactéries, alors que notre microflore représente un kilo. Il est donc peu vraisemblable dans ces conditions qu'avec moins d'un gramme de bactéries, on équilibre une masse qui est plus d'un kilo. Même décalage lorsque l'on aborde les bienfaits de ces yaourts sur le système immunitaire. S'appuyant sur une enquête réalisée par leurs soins sur des victimes de cancer de la vessie, des industriels laissent penser que leurs produits auraient une action préventive contre des cancers. L'effet sur le système immunitaire, ça se reproduit chez vous, chez moi, qui sont en bonne santé. Moi, je le bois à chaque journée, mes enfants le boivent, puisque ça peut réduire je crois que ça diminue les chances d'avoir le cancer. Mais ici encore, à l'INRA, les résultats obtenus en la matière sont nettement moins évidents. Pour étudier l'effet des ferments lactiques sur la flore intestinale, on les a testés sur des petites souris élevées dans ces bulles stériles. Résultat ? Les effets qu'on peut dire, c'est il y a un très très léger effet en ce qui concerne la digestion d'un sucre qui est dans le lait, certaines formes de diarrhée, et puis une légère stimulation du système immunitaire. Mais bien sûr, après, dans la machine marketing, les résultats sont un peu enjolivés. Il y a bien quelque chose, mais on est loin des effets annoncés sur la santé. Autre problème, le surdosage. Le principe qui consiste à enrichir des aliments en vitamines ou en calcium pour répondre à des carences est scientifiquement valide. Mais attention aux excès. Il peut y avoir un risque de surdosage à la consommation des alicaments. Si l'on prend l'exemple d'une petite famille qui va consommer des céréales enrichies, des yaourts enrichis, des jus de fruits enrichis, si l'on prend l'exemple de la vitamine C, on induit dans cette population une augmentation de l'élimination urinaire de la vitamine C qui risque de cristalliser dans les urines et de former des calculs. Il ne faut donc pas en consommer à haute dose. Conclusion, certains alicaments ont bien des effets sur la santé, mais ils ne correspondent pas forcément à ceux annoncés sur le paquet. Une chose est sûre, en prendre ne dispense pas de manger équilibré. Enfin, il y a un phénomène qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'effet placebo. Si vous êtes persuadé au moment où vous le mangez qu'un de ces produits va vous faire du bien, il y a de grandes chances pour que ça marche.
Nous allons maintenant passer à ce qui est peut-être le plus grand danger caché de notre alimentation moderne, c'est l'excès de sel. Des spécialistes l'affirment, nous mangeons beaucoup trop de sel, et cette surconsommation provoquerait chaque année des dizaines de milliers de morts. Pourquoi mangeons-nous autant de sel? Quel est l'effet de ce sel sur notre santé? Regardez. Dans cette famille, on veille à ne jamais ajouter de sel. Les Lejeunes sont ainsi persuadés qu'ils mangent des plats peu salés. En fait, sans le savoir, chaque jour, ils absorbent beaucoup de sel. Pour le leur démontrer, nous avons calculé leur consommation quotidienne. Ce soir, pour leur dîner, ils préparent un gratin de pâte au jambon. Une seule tranche représente déjà 1,5 g de sel par personne. Alors je suppose que le gruyère, ça va être encore plus sain, non? Ce n'est pas le plus grave, car le gruyère râpé apporte moins d'un demi-gramme de sel. Oui, ça reste dans la norme quand même. N'empêche que pour ce plat-là, vous mangez quasiment par personne 2 grammes de sel. 2 grammes de sel, oui. Mais l'aliment le plus salé du dîner, c'est de loin le camembert. Dans une portion de 100 grammes, on mange 2,5 g de sel. 2,51 g. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Oh, là, c'est incroyable. Hein. Ce sel caché dans nos aliments représente plus de 80% du sel que l'on ingère. On le trouve même en embuscade dans des produits inattendus, dans le petit déjeuner des Lejeunes par exemple. 100 g de céréales contiennent 1 g de sel, ces crêpes 0,2 g. En fait, tous les plats préparés sont extrêmement salés. Cette quiche, cette sauce de salade et même cette mousse au chocolat, le total cumulé des 3 repas de la journée aboutit à ce résultat surprenant, plus de 14 g de sel par personne. Je suis impressionnée et atterrée par le résultat. Oui, je pense que là, on est un peu bluffé par la quantité de sel qu'on peut comme ça ingurgiter dans une journée. Ces résultats ne sont qu'une estimation. Mais comme la majorité d'entre nous, les Lejeunes tombent des nues lorsqu'on leur révèle leur consommation quotidienne de sel. Pour ce médecin, cette nourriture trop salée menace notre santé. Chaque année en France, le sel serait responsable de la mort de milliers de personnes. Pierre Menton est chercheur à l'INSERM. Il travaille sur les causes des maladies cardiovasculaires. Pour lui, l'excès de sel nous intoxique peu à peu. Je pense qu'on peut parler d'une intoxication chronique par des niveaux excessifs de sel. Ça commence dès la jeune enfance. Et donc la tendance se poursuit ensuite pendant toute la vie avec des consommations de sel moyennes de l'ordre de 8 à 10 grammes par jour et par personne, ce qui correspond à des valeurs qui sont 10 fois supérieures aux besoins physiologiques de l'organisme. Cette surdose favorise la tension. En laboratoire, Pierre Menton met en évidence les effets d'une consommation excessive. Depuis sa naissance, on donne à cette souris 10 fois plus de sel qu'elle n'en a besoin. Petit à petit, sa pression artérielle s'est mise à augmenter. Elle souffre d'hypertension. Donc cette souris, sur un régime riche en sel, a une pression artérielle qui est de 16,9. La moyenne d'une souris normale se situerait aux alentours de 12,8. En revanche, cette souris nourrie à un régime peu salé a une tension parfaitement normale. Et chez l'homme, c'est le même phénomène. En fait, notre organisme ne parvient pas à éliminer tout le sel qu'on lui apporte. Il se concentre alors dans les reins qui finissent par le recycler. Mais du coup, avec le sel, c'est aussi de l'eau qui repart dans les vaisseaux, car eau et sel s'attirent l'un l'autre. Alors, pour s'adapter à ce recyclage permanent, l'organisme augmente le débit du sang dans les artères. C'est l'hypertension. Et plus on est hypertendu, plus on risque l'infarctus ou l'accident cérébral. Chaque année en France, 150 000 personnes meurent d'un accident cardiovasculaire. Pour Pierre Menton, le grand responsable, c'est l'excès de sel. Les données actuellement disponibles montrent que l'ajout chronique de sel dans les aliments serait responsable de 30 000 à 50 000 décès par accident cardiovasculaire par an en France. D'autres spécialistes ne partagent pas cet avis. Xavier Girard est président du comité de lutte contre l'hypertension. Pour lui, le sel n'est dangereux que dans de rares cas. Pour les autres, le réduire serait totalement inutile. C'est dégueulasse un plat sans sel. Donc, appelons un chat un chat. Le sel est nécessaire à la vie, est nécessaire à la qualité de la nutrition. La vraie question scientifique, c'est est-ce que des quantités de sel trop importantes nuisent à la santé publique? La réponse aujourd'hui, elle est avec des preuves qui sont des preuves discutées par les uns, admises par les autres, que des quantités de sel telles que nous en absorbons dans les pays occidentalisés du sud de l'Europe ne nuit pas de façon majeure à la santé publique. Emmanuel Font est de ceux qui doivent faire une chasse impitoyable au sel. Avec 18 de tension, son cœur montrait des signes de faiblesse. Pour lui, réduire la consommation de sel et faire des courses au supermarché sans acheter ni charcuterie, ni conserve, ni plats préparés reste un défi.
prend quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Si c'est salé, très salé ou pas du tout salé. Bien, il y a quelques marques qui notent les différents taux de sel. Alors on y fait attention. L'eau gazeuse, par exemple, on n'en boit plus parce que ça contient trop de sodium. Depuis 5 ans, Emmanuel Font est un patient d'Albert Mimran. Pour faire sortir ces malades hypertendues de la zone dangereuse avec un traitement approprié, il les encourage aussi à faire baisser leur consommation excessive de sel. Moi, je considère que 14 grammes de sel, c'est excessif. Au-delà de 6 grammes de sel par jour, le danger serait réel pour une population très large. Et toujours selon ce médecin, 80% d'entre nous sont bien au-delà de cette valeur, déjà considérée comme haute. Emmanuel Font a fait des efforts. Avec un régime moins salé, les résultats sont là. 13,5, 8. Bon. Ben j'espère. Hein. Si 80% des gens sont concernés par la nécessité d'une diminution ou d'une tentative de diminution, ça veut dire que c'est un problème qui touche une grande majorité de gens. Et ça veut dire qu'il faut en faire un argument de politique. Une politique de santé que l'Agence française de sécurité des aliments cherche à promouvoir. Elle rencontre les industriels et leur demande de réduire les adjonctions de sel de 30%. Dans cette réunion, nous n'étions pas les bienvenus. Les industriels ne semblent pas prêts à modifier leurs recettes. Certains consommateurs qui vont mettre des quantités très importantes de sel, d'autres qui vont mettre des quantités peu importantes, ils vont ajuster en fonction de leur propre goût. Et à la limite, c'est mieux contrôlé si le produit est tout préparé par l'industrie et si on demande aux consommateurs de ne pas ajouter de sel dans le produit une fois préparé. Nous sommes en Alsace, dans une petite entreprise qui fabrique tartes flambées et toasts apéritifs. Ici, on ajoute du sel à chaque étape. Dans la pâte, un peu plus de 2 kg de sel pour 150 kg de farine. Dans la garniture, 1 kg de sel pour 75 kg de crème. Dans chaque portion, il y a 1,7 g de sel et plus de 50 g de lardons, qui représentent près de 2 g de sel. Au final, manger une tarte, c'est ingérer 3 g de sel. Selon le fabricant, s'il met autant de sel dans sa recette, c'est que le consommateur le demande. Avant leur commercialisation, ces produits ont été testés et jugés savoureux avec des doses importantes de sel. Pour lui, diminuer les doses risquerait de faire chuter ses ventes. On ne peut pas réglementer un plat, le goût d'un plat. Donc on met du sel, on met des ingrédients jusqu'à un point où c'est accepté par le consommateur. Si ce n'est plus accepté, on réduit, on adapte. Mais on ne peut pas réglementer. Maintenant, le gouvernement peut bien dire, les Français, dorénavant, ils vont manger 5% ou 10% de moins de sel pour qu'on ait moins de problèmes au niveau de santé, par exemple. Ça, c'est la réaction du consommateur ensuite qui dira un produit avec 5 ou 10% de moins de sel ne me plaira plus, ou moins. Le problème, c'est que l'on forme très tôt le goût des enfants aux produits industriels très salés. De plus, le sel est bon marché et il ajoute de la saveur. Il a aussi un autre atout, il donne soif. Ici, les toasts apéritifs sont volontairement très salés et personne n'en fait mystère. Pour faire boire, il faut toujours servir des choses relevées. Et un apéritif est donc salé, évidemment. Et donc poivré, à la limite. Et un apéritif, c'est justement, c'est le verre de la midière où on boit avant tout. Retour dans le laboratoire de Pierre Menton. Il nous invite à tester en vraie grandeur l'impact du sel sur la soif. D'un côté, nous avons préparé un repas sans aucun sel ajouté. De l'autre, nous avons concocté un menu très salé. Le premier est cuisiné avec des produits frais, l'autre avec des produits industriels. Nous avons fait déguster les deux menus à des volontaires. Ils ignoraient tout de l'expérience. À droite, Nicolas. À gauche, Olivier. C'est lui qui mange salé. Moi, je trouve bonne. Dès l'entrée, Olivier se sert un verre d'eau. Moi, je trouve pas ça très salé. Nicolas, lui, ne pense même pas à boire. Olivier mange avec appétit. Nicolas peine un peu. Un peu bizarre sans sel. À la fin du repas, Nicolas n'a bu qu'un verre d'eau. Olivier a vidé sa bouteille aux trois quarts. Lorsqu'on mange salé, on boit plus. Alors, lorsque c'est de l'eau minérale, ou on le sait bien, des boissons alcoolisées ou des boissons sucrées, il est bien évident que ça fait travailler l'industrie agroalimentaire et en particulier les marchands de boissons. Cette étude britannique le confirme. En réduisant le sel de 10 à 5 grammes par jour, les consommateurs boivent une canette de moins par personne.
Le sel pour doper la consommation des liquides, pour révéler le goût, pour conserver ou pour alourdir artificiellement les produits, l'industrie alimentaire a peut-être ses raisons d'avoir la main lourde sur le sel. On a bien vu que l'excès de sel, ce n'est pas parce qu'on a la main lourde sur la salière, c'est le sel caché dans les aliments. Alors pour connaître la quantité de sel d'un produit, quand seul le poids du sodium est indiqué, il faut multiplier ce poids par 2,6. Par exemple, pour 11 g de sodium affiché, il y a en réalité 29 g de sel. Maintenant que vous en savez plus sur l'alimentation, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.